Nous débuterons cette visite du Rajasthan par la ville de Jaipur, qui en fin de compte est la capitale administrative. Tout d'abord, voici les vautours indiens, Gyps indicus, qui sont d'ailleurs en voie de disparition. Leur nombre a baissé de 90% durant la dernière décennie. Dommage, car ils digèrent très très bien les germes pathogènes. Jaipur, une grande ville populeuse, construite aux alentours du XVIIe siècle. Et voici tout de suite un monument caractéristique, le Hawa Mahal, le palais des vents. C'est un bâtiment qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle et c'est un fleuron de l'art Rajput. Il est construit en grès rouge et rose et il n'est pas très loin du City Palace de Jaipur. Il s'étend jusqu'au harem royal. Sa silhouette symbolise la couronne de Krishna. Sur les terrasses, on a une très belle vue de l'observatoire de Jai Singh II. De plus, sa façade ressemble à un nid d'abeilles. De là, les femmes de la cour pouvaient voir sans être vues de l'extérieur. Le Yantra Mandir, qui est connu aussi sous Jantar Mantar, est un observatoire astronomique. Il a été construit sur ordre du Maharaja Jai Singh II dans sa nouvelle capitale de Jaipur entre 1727 et 1733. Il s'inspire d'un autre observatoire, celui de Delhi, qui était capitale de l'Empire Moghol. Il en a fait bâtir également plusieurs autres, entre autres à Bénarès, à Mathura et surtout à Ujjain. Mais celui-ci, c'est le plus grand. Il a été construit à l'intention du gourou de Jai Singh II, le Pandi Jagannath, dans le but d'établir les thèmes astro et de déterminer les moments les plus propices pour les grands événements, les mariages, les déplacements, etc. Et il est inscrit, bien entendu, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les instruments, il y a le Brihat Samrat Yantra, qui est un cadran solaire de 27 mètres de haut. Il permet d'obtenir aux équinoxes une mesure de l'heure atteignant une précision extraordinaire. C'est bien entendu un paradis pour les macaques. Et de là, on voit très très bien le Hawa Mahal. On se dirige vers le City Palace avec ses gardes moustachus et ses éléphants de marbre blanc. Il y a également quelques jarres qui ont 900 litres chacune. Elles sont en argent massif et ne contiennent pas 9000 litres comme c'est écrit. C'est vrai qu'ils sont fâchés avec le système métrique. Le City Palace de Jaipur, c'est un complexe de palais formé du Chandra Mahal et du Mubarak Mahal. Les premières constructions ont été faites à l'initiative de, bien sûr, Jai Singh II. Entre 1729 et 1732, époque où les murs extérieurs ont été construits. Il y a eu pas mal d'ajouts successifs, jusqu'au XXe siècle.
quelques encablures de Jaipur, on peut également visiter le fort d'Amber qui s'appelle aussi Amar Fort. Il est gardé jalousement par des langurs, appelées également antelles grises. Il y a également quelques fameux charmeurs de serpents, avec leurs cobras, mais aussi leurs mangoustes. Et de temps à autre, ils organisent des simulacres de combat entre les deux espèces. Le fort d'Amber se situe dans une ville à 11 km de Jaipur. Et le fort qui domine Jaipur, du haut d'une colline, est la principale attraction touristique de la zone. Et la ville d'Amber a été à l'origine construite par Minas et plus tard développée par le Raja Man Singh I. Ce fort d'Amber est connu pour des éléments caractéristiques de l'art hindou, avec des grands remparts et toute une série de portes et de chemins pavés. Le fort surplombe le lac Maota et son jardin extraordinaire. Le Jal Mahal, littéralement palais sur l'eau, c'est un palais donc au milieu du lac Mansagar. Il a été construit au 18e siècle. Et on terminera cette visite de Jaipur par une série de tombes royales.